Et poète YouTube, j'espère que vous allez bien. On va continuer le second site parce que je l'avais bien aimé. J'ai particulièrement apprécié la DA qui ressemble énormément à ce qui a été fait sur comment Time Splitter. Donc on va continuer le second site qui est ici. Je lance la bête, je récupère ma manette en mélangeant pas tous les câbles parce que tout s'est croisé. Attendez voir. Hop, voilà, évidemment j'ai dû bouger les caméras parce que j'ai un petit problème, donc tac, la manette en est posée et on est parti, on va lancer mes mères. Allez, hop, hop, hop là, on est parti, on lance mes mères et let's go. On va continuer un peu le second side du coup. Donc c'était fait par Free Radical, donc les anciens du studio de chez Rare, qui a sorti uniquement le, comment, le GoldenEye 64. La dernière fois, on avait passé, il me semble, deux pièces, deux ou trois pièces. Ah non, on est arrivé à l'endroit où on jouait le gars qui... C'est ça. On jouait, est-ce qu'on va pouvoir reprendre un memory card? Ah oui, merde. Alors attendez. On va juste éteindre la console. Ouvrir ça. Rallumer la console pour aller décharger un peu la carte mémoire. Memory card. Où est-ce que je mets memory card? Ah mais tiens, non, attendez, j'ai récupéré les memory cards. Ce qu'on va faire, c'est... Hop. On va récupérer, j'avais récupéré les memory cards aussi, 251. On va mettre les memory cards dans le slot B. Et donc, ce qu'on va... Ah non, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le slot A et mettre le slot B. Est-ce que c'est envisageable, ça? On va retirer celle-ci. Hop. Et mettre celle-ci ici. Hop. Clac. Et on va virer, du coup, les sauvegardes. On a un Z de la Force Watt qui était sauvegardé. Hop. On va effacer les sauvegardes qui étaient dessus. Alors ça, c'est des memory cards que j'ai récupéré. Un Naruto Clash of Ninja. J'ai récupéré un lot de memory card, un fan de Zelda décidément. Comme quoi les gens jouent beaucoup trop à Zelda. On l'a dit, on le répète. Voilà. Hop. On va fermer ça. Ça va lancer le jeu. On attend que le jeu se lance et on est parti. Oula, j'ai bougé le second sight. Viens ici toi. Hop. Alors je monte un tout petit peu le son du jeu. Pour vous et pour moi. Hop. Enfin, j'espère que vous allez bien YouTube. Parce qu'il n'y a personne sur Twitch, donc j'espère que YouTube va bien. Et si les gens qui sont sur Twitch, ben bonjour à vous. N'hésitez pas à discuter, hein, surtout. Je m'en sentirai moins seul. Non, je rigole. Je ne suis pas seul, je joue aux jeux vidéo. Je ne suis pas seul. Samedi après-midi. Sans madame. Et donc du coup on va devoir recommencer du coup ce qu'on avait fait la dernière fois. John Vatish. Ouais, c'est bien. Hop. C'est vrai que par contre la musique était vraiment sympathique quand même. C'est vrai que la musique était vraiment cool. L'ambiance générale, le jeu est quand même sympathique. Bon, je suis désolé, j'ai avancé un petit peu vite sur les premiers trucs, parce que forcément... Ah oui, donc il y a le passage où il faut se planquer avec tous les gens qui tirent dessus. Ah même, il y a le passage aussi où il faut se planquer avec l'autre, là, qui te guide. Non, on peut passer ça, on peut passer ça. Donc ça, c'est le début du jeu. Alors, je suis désolé d'avance pour les oreilles, mais j'ai pris ma clope électronique et j'ai fumé un peu. Over here. Be careful with that one. The
Let me see. Hold his arm a moment. Toujours plaisir, hein, de se faire picouser. Ah, petit truc aussi, j'ai changé le matériel qui est au cul de la bécane pour faire la capture, donc n'hésitez pas à me dire si c'est plus propre ou pas. Alors c'est pas un HD capture, j'ai juste changé en fait, c'est le switch qui était sur le... changer le switch qui était au niveau de la capture. Avant j'utilisais un câble un peu merdique, c'était pas vraiment fait pour ça. C'était fait pour avoir une seule entrée et deux, et, enfin deux entrées et une seule sortie, et là du coup j'ai un... enfin ça m'a... normalement ça aurait mieux marché. D'où le fait que la capture serait peut-être de meilleure qualité aussi, peut-être. Hop, alors attendez. Hop. I guess that switch up there opens the door. If I could just press it somehow. Attendez, il faut que je... voilà. Ok, donc là on avance, on sort de la pièce, on va apprendre comment... comment on se régène. Et du coup, typiquement celui-ci, je pense qu'il peut être marrant à speedrun, je pense même qu'il doit aller speedrun dessus, puisque forcément vous avez des possibilités avec les bugs. Je pense qu'il y a eu des bugs de texture et trucs comme ça qui ont été faits. Ils ont dû pouvoir... hop, donc télékinésie, guérison. Youhou, je me guéris par la force de mon esprit. Guérison. Et hop. Télékinésie. Donc là on avait des mecs au bout du couloir. Il fallait qu'on change de vue. Hop, petit coup de régène, et on est reparti. Donc là on a les... ah oui, on a récupéré la carte ou pas? On a récupéré je pense la carte, j'ai pas fait gaffe. Hop, donc il fallait aller voir ici... non c'était pas là. Putain, je me souviens plus déjà. J'ai fait pas longtemps pourtant. Hein. Il fallait le code. Oui, le code. Le code est pas là. Le code est de l'autre côté dans la dans l'ordinateur. C'est ça. Hop. There's a computer in there. I wonder if it can shed any light on my situation. Hop. Monsieur dame. Donc, il faut aller sur l'ascenseur et avoir le code de l'ascenseur. C'est vrai que l'annonce c'est vraiment cool pour ça. Je cherche le code. Hop. Voilà, et donc là, une espèce de flashback qui revient. Un œil qui part en couille, hein. John Vadek. What happened? I need to remember. Ça sauvegarde. Pam 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 pam. Et je suis désolé, ça fait un moment que j'avais pas stream. Là ce week-end, j'ai pas les enfants dans les pattes, j'ai pas madame dans les pattes. Donc c'est un week-end où je vais pouvoir stream et jouer. Yes. Cool. Pam pam. Excuse me, I'm Vadek.
Dr. John Vadek? Finally. Colonel Joshua Stark, US Marines. Good to meet you, Colonel. This way, Dr. Vadek. Thanks. Bon, je vous laisse deux minutes avec ça. J'arrive, j'en ai pour juste deux secondes. J'arrive. What's all this about? Look, I'm glad to be of help, but one day's notice is barely enough time for me We're to get out of time, Dr. Vadek. Can you handle a sidearm? They said my role was strictly advisory. Then advise yourself to get some weapons training. My squad doesn't nursemaid tourists. I'm in a squad now? We'll explain it all at the briefing. 1800 hours. Be there. Okay, military training. I wasn't expecting this. I guess I should find someone who knows what's going on. Désolé, je reviens, désolé, excusez-moi. Hop, désolé. Hop là, youp, automatique par ici, ouais, j'arrive. Ok, Dr. Vadek, le colonel pense que vous pouvez faire du physique avant que vous soyez donné un firearm. Je suis Cotelli,
comms expert. Follow me and we'll... Okay, Vadik. I can see you're impatient to get started. Let's head to the assault course. Hop là. Tac. Suivez ces indications, c'est très facile. Désolé pour la pause de 2 minutes, mais... Fallait que j'aille à un endroit où personne d'autre pouvait y aller. À ma place. Et là, hop, il monte sur le premier, et le deuxième, il fait le tour. La flemme. Au lieu de sauter du premier au deuxième, hop, il fait le tour. Voilà. Car j'ai la flemme. Car j'ai... Hop. Tac, tac, tac. Par contre, ça, ce qui est dommage, c'est que ça manque de musique en dehors des zones... Hop. Voilà. Clac. Je trouve dommage, c'est que par contre, effectivement, il manque un peu de... Ça manque un peu de... De musique. C'est un peu vide en dehors du jeu, on va dire. Hop là. Tuk 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 tuk. Over here, Dr. Vadik. Hop. You proved you can climb walls, but what about using cover? Lean against the wall of this block. Hop, on va juste se planquer. Ah oui, donc d'abord il faut... Voilà, je me déplace contre le mur. Get onto the walls of one of those blocks over there, Vadik. Come on, Vadik, we haven't got all day. Ah oui, c'est ça. Et moi pendant ce temps-là, je tournais autour du bloc. Et moi pendant ce temps-là, je tournais dans les bois. La 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 Hop. Pas de problème, je passe de côté. Ready or not, here I come. You can. Allez, petit homme, tu peux le faire. Oh, ce que c'est long ce passage, par contre. C'est-à-dire que la première fois, je l'avais pas compris. Alors, à droite ou à gauche? Décide-toi, grand. Cause I know where you were. Okay. Well, make your way through these pipes. Hop. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a le changement de vue. Franchement, une vue en FPS tout de suite, ça m'aurait pas de... Une vue en FPS, ça m'a pas trop dérangé finalement, en fait. Hein.
Tout tadou 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 tadou. Hop, c'est tourné, on peut avancer, on se baisse. Ah, par contre, c'est vraiment de la merde dans les yeux, par contre. Hein. Mais bon. À pas demander à une AI de cette année-là, de cette époque-là. C'est con. C'est con parce que les AI sur le Time Splitter n'étaient pas trop trop mal encore. Et là, il faut rester penché pour éviter les fenêtres. Bien évidemment, parce qu'on met des gardes devant les fenêtres, hein, c'est bien connu. On n'est pas seulement patrouillé dehors, mais devant les fenêtres. C'est important de patrouiller devant les fenêtres, on sait jamais. Des fois que, je sais pas, il y a un oiseau qui passe trop près de la fenêtre et que ce mec est obligé de tirer, j'en sais rien. Consommation, bien sûr. Alors, on va aller s'entraîner aux armes à feu. Hop, bonjour monsieur. Je viens ici pour tirer sur les gens. C'est bien vous qui tirez sur les gens? Nickel, ah bah moi aussi. Alors... Je voudrais une arme, s'il vous plaît. That's good. That's good. That's good. All right. Et pas une couille en moins. Aide. Excellent. Very good. Il faut faire 500 points. Et fire. Feels good. C'est vrai que l'accent est terrible quand même. Pam 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 pam. Ah vite 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 vite. Ah raté. Je n'ai réussi à rater une. Damne. Comment on fait pour recharger déjà? Non, c'est croupi. Je veux qu'il recharge. Qu'est-ce qu'on fait pour recharger? Ouf. Je ne sais plus comment on fait pour recharger. Ouvrir la porte. Animation. Non. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ouvrir la porte. Touli, 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 touda. Pam, 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 pam. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'il manque vraiment un peu de musique, quoi. Si vous voulez, je peux chanter. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais je peux chanter. Hop. Alors, il faut se mettre, hop, accroupi. Un flic à Miami, quoi. La position pour tirer.
J'adore la position pour tirer. Un très grand monde de solitude, j'ai l'impression. Bien écart, la foule. 2, 1. Hop, et 2, je vais. Et hop. Hop, et 2, 1 de moi. Et 2, l'autre. Hop. Et 2, 2. Hop, et 2, 3. On recharge. Et de moins. Voilà. On tire un petit coup dans le vide, on recharge. Hop, et voilà, c'est fini. On est trop fort. Okay, Vadik, make your way to the compound gate. This time, you'll need to shoot your way through. You don't have to run and gun, though. Remember your stealth training. It might be better to choose your shots carefully and keep the situation under control. Don't worry about being shot. These test darts sting a bit, but they're harmless. If you're taking too many hits, I'll call you back. Just remember, the real enemy don't fire blanks, and neither do we. Take this seriously. And you'll do okay. And you'll do okay. Hop. Porte du complexe. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Qu'est-ce qu'ils font? Vous votez. Faire foutre, toi. Discrétion. Discrétion absolue. Raté. Sors, fera un coup. Hop. Hop là. Putain, merde, la première fois, que j'ai passé ça... Oh. Oh, merde. Saloperie. Il m'a eu. Le salaud. La première fois que j'ai passé ça, c'est passé tout crème et tout. Et là, je suis en mode galère, quoi. Alors, il me semble qu'il y en avait un qui était... Attendez, je vais prendre la caméra comme ça. Il me semble qu'il y en avait un sur la plateforme. Là-bas. Sur la plateforme en l'air. Il faudrait qu'il avance un peu. Est-ce qu'il m'a vu ou est-ce qu'il n'a pas vu? Il m'a vu, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il m'a vu. Est-ce qu'on peut descendre? Hop. Pouette. Allô, monsieur l'arbitre, ma caméra, mode cinémato. Bonjour. Les doigts qui dépassent, discret. C'est discret les doigts qui dépassent. Allez. Attendez, je ne sais plus. Il me semble qu'il y a deux soldats qui dépassent là. Voilà, il y en a un deuxième au fond qui se planque ici, il me semble. Là, ici, il y en a un qui va sortir. Non ? Pas qui sort de là ? Ah bon. Il semble qu'il y en a un qui sortait d'ici. Bon, peut-être. Peut-être ai-je un doute. Discrètement. Je suis un serpent. Normalement. Voilà. Hop. Hop. Il semble que du coup on n'avait personne d'autre ici, du moins. C'est à la fin qu'il y en avait un, je ne sais plus. Ou c'est là qu'il y en avait un.
Oh, il y en a là. Hop. C'est ça, il y en avait un ici. Et après, hop, ça croupit, on passe en dessous. Voilà, lui, c'était lui qui m'avait eu. C'était lui qui m'avait eu. Voilà, donc là, on est arrivé là. Encore au stand de tir. Le stand de tir, c'était par là, je crois. Hein. Raté. Mèche plantée. Non, si. Voilà, j'étais arrivé là. Except for one main difference. This time around, you'll be practicing your long-distance skills. So take this sniper rifle and get yourself into position. You'll need 250 points to satisfy me. And as before, bonus points will be awarded for headshots. All right, get ready. Comment on zoome? Go. Comment c'est dur. La visée est sympathique, mais... Ah, faut juste bouger, je crois. Oh, c'est chaud. J'aime bien le fait qu'on ait le petit... J'aime bien le fait qu'on ait ça, mais par contre c'est tellement dur à maîtriser. Oh, c'est tellement dur à maîtriser. Attendez, changement manuel. Ah, j'ai trouvé comment changer manuellement. Hop. Est-ce qu'il n'y a qu'une balle, on peut en faire deux? Je crois pas, hein. Ça va être compliqué. Hein. Ok, ça je commence à maîtriser le coup dans la tête, en fait faut attendre qu'il zoom et monte légèrement et hop, un petit coup sec et boum, en pleine tête. Et hop. Hop. Heureusement qu'il y a une espèce d'autofocus, sinon c'est chaud. Hein. Merde, recharge, vite. Ouf. Ouh, c'était du tir réflexe, hein. Tir réflexe au pigeon. Hop. On va recharger. Poum poum. Impressionné, ouais, je sais. Well, attendez, je suis un docteur, pourquoi je dois aller tirer sur des gens et partir en mission avec vous? J'ai l'impression d'être le... comment? D'être le méchant de l'histoire, finalement. We've managed to verify his identity as Victor Grienko, seen here studying in St. Petersburg, where after boasting he would revolutionize psychology, he was kicked out. Oula. Pourquoi c'est une photo de Kim Jong-un? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Found a happy home with a German, running experiments into psychic phenomena at a POW camp on the Belo-Russian border. In 1944, the Red Army liberated the camp and claimed that Grienko was killed in the assault. However, rumors soon surfaced of a research project initiated by Stalin in Western Siberia, which ties in nicely with his recent appearances at the U.S. hydrocarb pipeline being built outside Tiumen Oblast. Ladies and gentlemen, we'd like you to go find out what Professor Grienko has been researching for the past 50 years, and why he's so desperate to be granted political asylum. Colonel. Thank you, sir. The Pentagon has given us permission for a small team insertion. Et pourquoi c'est moi qui dois y aller là? Je suis... Pourquoi on met dans la confidence
From there, we will track down Grienko and his research. Any questions? C'est quoi ce bordel? Are you crazy? No, Dr. Batty. Any other questions? How did the U.S. approve anything so politically risky? That's classified. Well, then how did you confirm psychic research? Also classified. Then why do you want me here? Enfin, ouais. C'est exactement ce qu'on se pose comme question aussi. Expertise says that it's a fraud. I debunk psychics. I don't confirm them. Perhaps you never met a real one. Meet Jane Wilde, Dr. Batty. I know who she is. She's a mystic. She's a fake. She's your advisor? Hello, John. Good to see you again. Every time I publish, your special advisor attacks my work for being straitjacketed by the scientific method. Doesn't the scientific method have any evidence before drawing a conclusion? Exactly. Then how do you know Grienko is a fraud? Why? Well, I'm not going to Siberia. A pity. Because no one else can save us. Ah. Malgré moi, pris dans une mission. On dirait effectivement... ça s'appelle, ouais, c'est ça. C'est dans Stargate, hein. J'ai découvert les étoiles. Et en collectant les 6 points dans l'espace, ça nous donne un 7ème point. Mais oui. C'est magique. Alors imaginez que sachant que normalement, on est bien d'accord que tout s'applique au reste de l'univers. Le soleil, enfin il y a un soleil, puis les planètes qui tournent autour. Ouais d'accord. Comment vous calculez exactement une position dans l'espace à partir de 6 points, sachant que eux bougent. Et que le dernier point, du coup, la planète sur laquelle vous atterrissez est censée bouger également. Je peux détruire les fans de Stargate, parce que je suis un très grand fan de SG1, mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas debout, c'était dommage. Hein. Hey, stop right there. Hold on. Stop. Wait a second. Get down to the ground. Well, let me explain. I was down. Just... Shut up. Okay. Put your hands on just the let floor. Me explain. I... Shut up and get down to the ground. What are you doing? Stop that. Hands on the floor. On est chez Osiris, et pas Rapis. Regarde-moi bien. Tu es maintenant un sanglier. Oui, un sanglier. Vous avez bien le sanglier, vous les Gaulois. What have they done to me? Why can't I remember? They must have my patient records and files. I have to know what's happening to me. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Est-ce que je peux récupérer son arme, s'il vous plaît? Ah, on a pris un pistolet. Donc on a une télékinésie, attaque psy. Ah. Comment on attaque psy? Wow, trop cool. Cette porte est verrouillée. On va utiliser l'ordinateur, on va cliquer. Ah, on peut streamer. Les gars, ça vous dit on stream? Alors, analyse. Peut-être fonctionnement normal. Tout est vide. Ah, une salle avec les dossiers, c'est ce qu'il lui faut. Ok, ah. Bonjour madame, monsieur. Pourquoi les caméras sont toujours dégueulasses dans ces trucs? Fonctionnement normal, ok. Ah, mais je peux désactiver les caméras. Hop. On va désactiver toutes les caméras, comme ça personne ne nous verra. Hop. Ensuite, carte de l'étage. On va regarder où on est. Donc on est ici, il y a ça. Et on a dit qu'il fallait aller. Ça, c'est l'entrée. L'accueil. Donc ça, c'est l'accueil. Bonjour, monsieur, dame. Biotech. Couloir d'entrepôt. Entrepôt chimique. Oh mon dieu. Oh, le labyrinthe. Entrepôt chimique. Ok, donc ça c'est l'entrepôt. C'est pas là qu'il fallait qu'on aille. Il a dit qu'il fallait qu'on aille. Centre de recherche. Couloir. Micro. Micro-analyse. Couloir des primates. Labo primates. Cool. On va aller voir les primates. Dossier des patients. Donc ça c'est là qu'il faut qu'on aille. Donc il faut qu'on traverse tout le bâtiment. Et je sais pas combien de portes. Et je suppose je sais pas combien de personnes. On va déverrouiller la porte. Et on va quitter. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a quelque chose ici?
Oh, mais dossier des patients, on les a. Depuis ce terminal. Aïe aïe. Quel, c'est dommage. Quelqu'un nous fait chier, on lui pète ses dents. En vaisseau, visiblement, il n'y avait personne dans les couloirs. Hein. Donc, à part ici, je crois, c'est là qu'il y a quelqu'un. Hein. Aïe. Mentalement instable. Bouh. Et ben, de toute façon, on s'en fout. Hein. Ah, il faut donc que ça recharge. Alors attendez, en tant que ça recharge, on va prendre le pistolet et on va se cacher comme on l'a appris. Hop, et on va tirer. Voilà. Ça pue un peu la merde maintenant. On va avancer à couvert. Aïe aïe. Je prends des battres à l'honneur, monsieur. Ah, j'ai plus de balles. Houston, on a un problème. Oh, on a cassé les trucs. Vite. On court, on se régénérera après. De toute façon, on peut se régénérer. Donc, je suis entré dans une pièce qui ne veut rien dire. On va se régénérer. Ça, par contre, c'est un peu crâne parce que du coup, tu peux te régénérer quand tu veux. Guérison, télékinésie, attaque, si. Donc, on s'arrête à Cupsi. Donc, là, entrée. Ah, on peut se cacher. D'accord. C'est vraiment de l'infiltration, quoi. Ah. Mais non, mais je vais attaquer quelqu'un d'autre aussi, il y en a. Tourne-toi. Voilà. Hop. Une balle de pistolet, qui c'est qu'il y a là-dedans? This is insane. I can't keep running around like this. If I can get into the patient records room, things might start making sense. Merde. Piou. Donc là on a récupéré ça. Ici on peut se cacher mais on s'en fout. Aucune idée, sans doute qu'on a des pouvoirs illimités, quasiment presque. Merde, non, c'est ça. Ah, merde. Ah, cette caméra de l'enfer. Bonjour messieurs, c'est pour une signature de pain. Hop. Excusez-moi. Venez ici vous. Je vous le libère pas. Ils sont où? Ils tirent dessus et... Alors, par contre, faut vraiment qu'ils apprennent à viser. Alors, je sais pas où il est, mais... il est où? Hello. Regarde-moi. Ah. Alors, attendez. Il est pas mort? Quoi? C'est quoi de ce type là? Oh, oh. On attaque le psy tout de suite par contre. Ok, munitions. Ouais, c'est pas très discret comme méthode, mais bon. Ça le mérite d'être clair. Me faites pas chier. Alors attendez, il est où celui qui me tire dessus? Ah! Ce qu'on va faire, on va se soigner. Ça sert à rien de tirer dessus à travers la vitre, monsieur l'arbitre. Oh! Aïe aïe!
pour être matinal, ça fait mal. On va se cacher. Ah. Attendez, on va reprendre l'arme. Et vous allez mourir, dit. Alors attends, il faut que je me soigne. Alors on va essayer de se sauver un peu pour un moment. Pardon, monsieur, madame. Je ne fais que passer. Hop, guérison. Merde. Hop, guérison. Ah, du coup, c'est un petit peu cramé, ouais. Ah oh, bah non! Je suis un surhumain. Je suis immortel. Venez ici. Je vais vous péter vos dents. Ah mais comment on fait pour se sauver sans que personne nous voit? Ah mais tout à l'heure on se pouvait se planquer tout à l'heure. Est-ce qu'on peut se planquer? Est-ce qu'elle est là, la truc là? Elle est où la porte? Hop. Discret. Et on se régène. Personne nous a vu entrer. Quoique. Hop, sans arme, on reprend le pistolet. On attend un petit peu. Hop, on est reparti. Bonjour. Bonjour. C'est bon, je suis caché. Ah non, tu rigoles. Non, je suis caché. Je suis caché, j'ai dit. Oh, il me casse les noix, eux. Pas se cacher tranquillement. Hop. On se régène. Oui, donc en fait, c'est cramé parce que du coup, tu peux te régénérer à l'infini. Ah, tu peux te régénérer à l'infini quasiment. Non, faut que j'aille à la salle des dossiers par contre. Hop. Alors il faut que j'aille dans la salle des dossiers. Je crois que c'est pas par ici. Tac, on peut récupérer des munitions. Bonjour monsieur. Ok, on est chargé, on est full en munitions. Alors. Hop. On est refait. Ouais, c'est un petit peu trop simpliste, à mon goût. C'est quelqu'un. C'est juste chiant une fois que t'en chopé pour arriver à. Oh, don't look over here. Don't look over here. Don't look. Just walk away. It's nothing. Bouh. Turn around. Turn around. Look away. Just walk away. D'accord. How could he not have seen me? D'accord, je me brouille, carrément. Je suis un sans signal de télévision. Hop, ensorcellement. Tout dalou dalou dalou. Ah merde. Pourquoi je suis brouillé? Seulement il y a un moyen de décontaminer rapidement. Alors, on va essayer.
Hop. Oh putain. Ils sont revenus, eux. Pas possible, ça. Quoi, qu'est-ce que t'as vu? T'as rien vu du tout, grand. Hop. T'as rien vu. Jeter un œil. Pourquoi j'ai tourné contre le mur? Hop. Tu n'as rien vu. Par contre, s'ils reviennent en boucle, ça va être chiant, par contre. Il est revenu aussi. Hop. Je crois que c'était ici qu'il y avait du monde. Hein. Tout d'adou, tout d'adou. Je me souviens plus du plan du truc. Je crois que c'était ici. Ouais. Trouver quelqu'un qui a la carte collée. Merde. Évidemment. Monsieur. Par là peut-être. On va monter ici hein. Pas moyen de monter au-dessus là. Oh merde, passe au-dessus, au-dessus de ça. Pas de porte là. Chier. Comment je vais faire pour passer ça? Ah par contre, si repop tous les 5 minutes, ça va être compliqué, non? Et ça c'est pas des boutons ça? Non. Pas de boutons ici. Trouve l'ordinateur qui va bien, et l'ordinateur est ici. Non, non. Une porte. Désolé. Vous avez pas vu. Si je vous avais vu, je serais passé en, sans vous tuer, mais là. Peut-être celui-ci. Viens ici, toi. Viens ici. Raté. Ordinateur. Merde. Y'a plus personne. Trottoir. Hop. Discrètement. Oh, raté. Merci pour l'arme. Personne dans le couloir. Tire avec petit coup de régène. Mais non, je suis pas de la lumière. C'est n'importe quoi. Hop. Oh ! Caméra 1, caméra 2, caméra 2. Ah non ! Ok. Attends pour l'ordinateur, il n'y a plus personne normalement ici là. Si. Ah ! Ça va être chiant hein. Merde, monte ! Ah mais il y a des singes là. Tout de suite, je peux ouvrir les trucs des gorilles, non? T'ouvres la porte des gorilles. Ah merde! Excusez-moi. Merci. Est-ce que je peux ouvrir la porte des gorilles? Ce serait marrant. Ah par contre, pour la monter, des fois...
un peu galère. Tant que les grilles sont agitées, on peut rien faire. Je t'attends ici tranquillement. Petit caca, tranquille, posé. Juste se cacher et attendre. Ça y est, on ne voit plus. Alors, ah. Hey, it's me. Good news travels fast around here. Ok. Ça on est là. Ça c'était quoi ça? Possibilité de terminal. Et ça du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, donc ça veut dire que d'après, normalement, je devrais avoir plus de pouvoir encore. Température. Bon. Ça, ça ne me sert à rien. Est-ce qu'il y a pas... Ah, bah voilà! On va se soigner. Bah, plutôt cool. Je trouve que c'est agréable. Hop. Calme, on va sortir. Qu'est-ce qui est écrit sur le tableau? On peut lire? Non, on pouvait lire ce qui était écrit sur le tableau. Ça aurait été marrant qu'ils mettent des trucs à la con. Genre qu'ils dessinent des bits. Ouais. Pardon, excusez-moi. Ouais, ça va, on peut toujours, hein, toujours rigoler un petit peu, non? Alors, truc pour aller voir les patients. Il me semble que c'était par là, les patients. Ah, putain de caméra! De balles partout. Ah! Bonjour! C'est tous des moustaches sur roue. Hein. On dirait le. Comment. Comment il s'appelle le père de Harry Potter? Merde! Si. Tu vas mourir, dis! Il était sympa, il a attendu que son pote arrête de tirer avant de me tirer dessus. Pour les jeunes. YouTube, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. La vidéo d'une heure, c'est pas mal déjà. Bisous.